just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Le programme Innove Avenir a pour ambition de donner à chaque jeune une chance de trouver sa place dans un monde de plus en plus numérique. Pour cela, on propose 10 actions éducatives qui portent d'une part sur la découverte des métiers de demain et d'autre part sur la transmission des compétences du 21e siècle. Le challenge Innove Avenir est l'une de ces 10 actions. Il se déroule sur toute l'année scolaire et porte sur le thème des solidarités dans la ville. Il propose aux jeunes, collégiens, lycéens qui y participent de devenir acteurs du changement en développant une solution numérique qui apporte une réponse à une problématique en lien avec leur territoire que les jeunes ont identifié en amont. Alors aujourd'hui a lieu le hackathon du Challenge Innove Avenir, c'est le point d'orgue de cette action, qui a pour objectif d'aider les jeunes à transformer leur idée en un projet concret, en un plan d'action. Et puis évidemment, ce sont des outils, des technologies qui sont incontournables dans le monde d'aujourd'hui et a fortiori dans le monde de demain et qui permettent de donner encore plus d'impact à un projet. L'intérêt, c'est bien sûr qu'ils deviennent acteurs de leur vie, de leur société, de leur territoire, de la façon dont ils souhaitent s'engager, mais qu'ils mettent en action leurs idées. On peut réaliser une grande variété de projets avec le numérique, mais on peut faire des gadgets comme on peut faire des solutions vraiment utiles. C'est pour ça que dans le cadre du Challenge Innove Avenir, on favorise la méthode du design thinking qui part des besoins des utilisateurs, qui se concentre sur les usages et donc sur les problématiques réelles. Ainsi, les jeunes vont devoir créer un objet qui a un vrai but et une réelle pertinence. L'avantage, c'est que nous nous intéressons énormément à la question du numérique. Nous avons un département métier du multimédia et de l'Internet. Ce qui était intéressant pour nous, c'est de construire, dans le cadre des parcours et des projets de chaque jeune qui s'intéresse à la question du numérique, des possibilités de poursuite d'études, une possibilité de pouvoir dialoguer en direct avec ces jeunes et donc leur donner en tout cas le goût au numérique. Alors le thème des solidarités dans la ville, il est intéressant surtout avec des jeunes parce qu'ils touchent leur quotidien et ils co-construisent ensemble des solutions qui sont liées à ce qu'ils vivent tous les jours. Et c'est ça la ville intelligente, c'est d'arriver à, grâce au numérique qui apporte des outils, à réaliser des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on va appliquer dans sa vie de tous les jours. C'était nouveau pour eux, on les a mis en position d'acteurs et pas en position de, un petit peu simplement d'élèves. On leur a dit, c'est vous qui allez inventer. Je leur ai dit, on ne sait pas où on va aller, c'est vous qui allez inventer la solution, moi je vais simplement essayer de vous guider. Et puis les élèves les plus motivés tout de suite ont dit oui, moi j'ai envie d'aller au Challenge Innove Avenir. C'est bien parce que ça permet de faire découvrir des nouveaux travaux à des élèves qui n'ont pas la possibilité de les découvrir sans cette action. Nous à la Web School Factory, on est dans une école de management du numérique, ce qui fait qu'on développe des projets et des idées. Et aujourd'hui, justement, pour la première fois dans notre scolarité, on passe de l'autre côté avec Innove Avenir, où là, on n'est plus participant, mais on est accompagnant, et on fait en sorte que la transmission d'idées se fasse et que la concrétisation des idées des participants s'opère. Ce qui est intéressant pour les étudiants, au-delà de cette nouvelle expérience, c'est de transmettre évidemment avec des plus jeunes. Là, on est avec des classes de lycée et de collège, donc il y a un vrai retour qui se fait, il y a un vrai dialogue, et j'ai cru comprendre que c'était très positif. C'est la fin de cette journée de hackathon. Les élèves repartent chacun avec la feuille de route qui va leur permettre d'aborder le prototypage et de développer leur solution numérique qu'ils présenteront en fin d'année scolaire à un jury. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur la prochaine édition du Challenge Innove Avenir à partir de la rentrée prochaine.